Salut à tous, c'est Fortnite TV Show. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur Fortnite. Et aujourd'hui vidéo de grosses informations. Donc on va parler du 3ème et 4ème teaser. Voilà les deux derniers teasers pour la saison 8 pardon. Du coup dans un peu moins de 15h, la saison 8 va commencer, donc j'ai très hâte. Donc je vous dis, il y aura sûrement une vidéo, enfin ça dépend si mes parents veulent ou pas, mais ouais, il y aura sûrement une vidéo demain du coup, dans l'après-midi ou dans la soirée, sur le pass de combat numéro 8. Et du coup les gars, donc je ne savais pas, mais il y a 4 teasers pendant le 3. J'avais dit que ouais, je ferai le 3ème et dernier aujourd'hui, mais en fait il y en a 2 qui sont sortis depuis hier. Du coup je vais vous en parler. Et du coup on va faire le lien par rapport aux deux autres. Voilà, on va. Enfin je vous afficherai une image, enfin vous verrez. Et les gars, du coup on va parler du 3ème teaser. Donc le 3ème teaser du coup est sorti hier. Donc bien sûr je vous mettrai à l'écran. Et le 3ème teaser fait apparaître sur une image un tigre, voilà. Donc il y a un tigre dessus. Que vous voyez. Voilà, à gauche de l'image, un petit tigre. Et comme d'habitude, je vous mettrai aussi le screen où il y a la petite consigne, voilà, les petits messages qui suit avec l'image. Et donc cette fois-ci, c'est éveiller dans le puits bouillant des monstres de flammes et de cendres, terrassez-les immédiatement, votre butin peut en dépendre. Donc voilà pour la petite consigne pour ce 3ème teaser. Et donc la première phrase fait référence à un puits bouillant. Donc peut-être qu'il y aura un volcan et de la lave. Les monstres de flammes et de cendres pourraient être une nouvelle version des zombies d'Halloween que nous avons déjà eu en version glacée pendant cet hiver. Donc voilà, on les avait déjà eu en version Halloween, voilà les zombies pour Halloween bien sûr en novembre. Et après les zombies on les avait eu déjà enfin aussi en version glacée, voilà, pour le cet hiver, hein, quoi. C'est d'ailleurs ça fait même pas un mois que voilà les zombies c'est fini. Bon, en tout cas moi je trouvais ça grave stylé, à part en fin de game bien sûr, où voilà ça empêchait de faire du fight ou quoi. Et les deux dernières phrases incitent les joueurs à terrasser les monstres pour obtenir du butin, ce qui mène également sur la piste des zombies, puisque détruire les zombies ou leur cristaux a toujours permis d'obtenir du loot. Et du coup voilà, question les gars, pourquoi là on parle de zombies, mais pourquoi dans la cantine on parle pas de tigre, pardon, alors qu'il y a un tigre sur l'image? Voilà, c'est ça ma question, pourquoi on parle pas du tout de tigre dans la cantine? Voilà, il parle de lave etc, donc il parle de zombies, mais voilà il parle pas de tigre, donc je sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, ça pourrait être un petit indice par rapport à la saison 8. Et enfin les gars, dernière image, donc là c'est la 4ème image de la saison 8. Donc cette 4ème image, donc je vous mettrai à l'écran comme d'habitude, cette fois-ci représente une banane, voilà, une petite banane avec des yeux et un visage, voilà. Et donc il faut dire que lorsque la communauté avait demandé à un développeur de Big Game de décrire la saison 8 en un mot, celui-ci a répondu banane, je me rappelle, un banane, B banane et 4 bananes, voilà. Au pire, si vous n'avez pas vu cette info là, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, un bateau pirate a été aperçu sur Fortnite, voilà, vous aurez tous les indices par rapport à cette saison 8. Et vous aurez aussi des informations par rapport de quoi on parle là. Et du coup, voilà, donc vous mettrez aussi le screen où il y a cette consigne comme d'habitude. Et donc cette consigne est explorer un tout nouveau monde. Un tout nouveau monde, ouais, excusez-moi. Donc je reprends. Explorer un tout nouveau monde et défier un destin ardent. Les découvertes seront fécondes. Une grande aventure vous attend. Donc voilà. Pour cette petite consigne, et le tout nouveau monde dans la première phrase pourrait-il faire référence à une nouvelle carte? Enfin, on sait pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien une petite carte, une nouvelle carte, pardon, sympathique, parce que voilà, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de saisons que la carte n'a pas changé, et c'est vrai qu'une voilà, une deuxième carte pourrait être très bien, voilà, un petit voyage dans un autre monde, une autre carte, ce serait sympa, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu. Que la communauté Fortnite et nous attendons ça, une nouvelle carte. Et voilà, pour l'instant Epic Game ne parle pas de nouvelle carte, donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment voilà, que cette nouvelle carte, apparaîtra à la saison 8. En tout cas, on verra bien, on en verra demain, voilà, pour toutes ces informations, pour tous ces indices. On verra si ils se révéleront vrais.
Et du coup, là, je vais vous mettre à l'écran donc l'image. Une fois complété, donc c'est les, voilà, les quatre images collées ensemble. Donc, je vous rappelle, hein, en haut à gauche le serpent de la première image. Non, excusez-moi, en haut à droite le crochet de la première image du premier teaser. En haut à gauche le serpent du second teaser. En bas à gauche, en bas à droite le tigre, voilà, du troisième teaser. Et enfin en bas à gauche la petite banane, voilà, du quatrième teaser. Voilà les gars pour ces deux derniers teasers. Donc voilà, je voudrais du coup, je dois récapituler les quatre teasers. Donc voilà, ça fait une image magnifique. Donc est-ce que ces quatre je sais pas, ces quatre images, est-ce que voilà, ce sera pas en rapport avec des nouveaux skins pour la saison 8, ou alors quoi, est-ce que ce sera une nouvelle map, ou je ne sais pas du tout. En tout cas, j'espère vraiment que c'est même pas j'espère, c'est que la saison 8, voilà, va s'annoncer du très très lourde les gars. Du coup, je vous dis, demain il y aura une vidéo sûrement, et il faut que je voie avec mes parents, pardon. Mais si jamais, voilà, si jamais vous voyez pas de vidéo demain, et ben vous verrez une vidéo vendredi, hein, soir, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je verrai bien demain, mais je pense que oui, hein, il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas, on verra si jamais. Donc voilà, tenez-vous prêt à ce qu'une vidéo sorte demain ou vendredi. Voilà, en tout cas, c'est sur vendredi maximum. Elle sortira pour cette envie. En tout cas, j'ai hâte, les gars. Il reste, voilà, un peu moins de 15h, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai très hâte qu'elle sorte. Donc voilà, à mon avis, elle sortira vers 10h ou 15h, hein, comme toutes les saisons. En tout cas, voilà, j'ai très hâte d'être là demain. En tout cas, les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, c'est pas à vous abonner, à commenter, à partager surtout, les gars, et à liker aussi, ça fera très plaisir. Et aussi, voilà, pour partager les deux derniers teasers, voilà, de la saison 8. Et voilà, les gars, nous on se dit à la prochaine.